Ben après-midi, je vais commencer à faire un aujourd'hui pour une nouvelle émission Race Previews. Au micro, Vanessa Charan et comme consultant, nous sommes à Nitish Bagban. Bon après-midi, Nitish. Bon après-midi, Vanessa, et bon après-midi à tous les internautes. Alors, Nitish, aujourd'hui, nous parlons du programme de Kenny Love en Sud-Afrique avec 8 cours ce programme. Est-ce que vous gardez nous un petit avant-goût, le bon aujourd'hui? Oui, tout à fait, Vanessa. Nous avons une course, une journée de course à Kenny Love que nous n'avons pas vraiment énormément de champ. Un champ plutôt restreint dans les 8 courses au programme. Nous l'avons avec beaucoup de jeunes coursiers prometteurs. Nous avons beaucoup man maiden. Et vous pensez nous pour attendre nous à des belles joutes, notamment une 7e course que nous avons réservée à man pouliche de 3 ans qui est très prometteuse. La 7e course, vous pensez, oui, les bonnes courses, me pensez, nous vous assister aujourd'hui à Kenilworth. D'accord, nous commençons par la première course, qui est une course de 1000 mètres avec 8 portants. Alors nous venons le 1, Doug Detachment, le 2, Waterboat, le 3, Captain Mike, le 4, Gentleman, le 5, Boys to Rust Buddy, le 6, Galacto Bureco, le 7, Prevailing Wind et le 8, African Winter. Alors, Nitish, comment nous trouver l'écran ou sélection, c'est le 3, 2, 5, 6. Donc, ensemble, nous sélection, le 3, Captain Mike, qui est piloté par Si Genu. Oui, avant de commencer l'analyse, cette première épreuve, Vanessa, il est bon de faire ressortir que cette première course, le Welcome Cape Racing Work Riders Maiden Plate, c'est une épreuve, comme son nom l'indique, réservée à mon commanditeur ici à Maurice, mon track rider, mon cavalier qui est en cours, Pierre Pran, qui n'est pas monté vraiment en course. Et déjà là, il est assez tough parce que la plupart des chevaux de ces courses-là, nous remarquons, c'est Man Maiden. Man Maiden n'a jamais gagné. La plupart d'entre eux, ce sera leur première tentative, notamment le 6, le 7, deux nouvelles unités. Oui, dans ma sélection, je vais inclure le numéro 3 à la première place, Captain Mike. Vraiment un choix. Ça fait un choix à peine vraiment un cheval qui sort du lot. C'est un jeune poulain de 3 ans qui sera sa 6e tentative aujourd'hui de l'entraînement Pete Buta, qui est Nicole Ben, ancien jockey qui a évolué à Maurice, monté par le track rider Sigemu. Il y a un rating quand même de 75, ce Captain Mike. Et nous remarquons que ce Captain Mike, il fait une galope 5 courses jusqu'ici. Une seule bonne performance, nous capable de dire, il termine 3e lors de sa 2e tentative. La dernière fois, il termine 5e et à 3 longueurs du gagnant. Nous capable de dire, dans sa lola, parmi les chevaux qui pour galoper, celui qui donne un petit peu les meilleures garanties. Il vient bien travailler, d'après mon information, que nous sommes capables de gagner en Afrique du Sud, bien travailler au training. Les prenait une 7e ligne, c'est à sûr monter, nous connaissons 1000 mètres, 1000 mètres à Kenilworth, c'est une longue ligne droite. Vous pensez qu'il est capable de gagner ça les courses là? D'accord, ou mettre en deuxième position numéro 2, Waterball, qui est piloté par Nikunzi. Oui, de l'entraînement Candice Bass Robinson. C'est un jeune poulain de 3 ans, par Watte Winter. Et nous trouvons que ce rating, c'est le highest rated horse de la course avec un rating de 76. Il tira une bonne performance lors de son avant-dernière sortie, c'était sur 1200 mètres, sur Fairview, turf de Fairview le 9 juillet dernier. Par la suite, lors de sa sortie suivante, il fait un petit peu décevante. Il termine avant-dernier à plus de 8 longueurs du vainqueur. Mais quand on dit un lot pareil, assez moyen, il y en a sa chance d'après moi. D'accord, en troisième position, on met le numéro 5, Boys to Rust Buddy, qui est piloté par William Bambizou. Oui, c'est coursier qui a beaucoup de bruit favorable, c'est ce Boys to Rust Buddy, de l'entraîneur Pete Steen avec William Bambizou en selle. Ce sera sa 3e sortie seulement. Et il paraît beaucoup plus fit dans les courses-là, ce Boys to Rust Buddy, avec déjà 2 courses sous la ceinture. Et il finit 2 fois sur le kilomètre.
Et lors de sa première tentative, il termine troisième sur un champ de 10 par autant à 2,6 à longueur de Carrari Ferrari. Bon, la suite est un petit peu décevante. Lipan confirme sa bonne performance, termine cinquième. Mais avec ses deux courses dans les jambes, on pensait qu'il est beaucoup plus fit. Lipan, après pratiquement 2 semaines lors de sa dernière tentative, c'est un des man favoris logiques de cette course-là, Van Essen. Vous pensez que c'est un coursier qui a un beau potentiel. On n'est pas prêt de demander s'il gagne cette course-là. D'accord, et finalement, une choisie numéro 6, un Galactu Reco, qui est pilotée par Dixon. Ah, oui, une nouvelle unité, un jeune coursier de 3 ans par Kingsbarns et Hamiya. Il prenait une bonne deuxième ligne de l'entraînement Justin Sniff. Justin Sniff nous rappelle, il y en a 3 représentants dans cette course-là. Ce gars-là, Tuboreko, il vous sortit du deuxième couloir, il vous très bien placé, moi pensé. Et il me donne une bonne impression, hein, il fait bien le travail à l'entraînement. Il est capable de débuter en fanfare sa première tentative. D'accord, avant d'aller toutes les courses, on rappelle au public aux sélections d'étiches, comme on a ouvert à l'écran, le 3, le 2, le 5 et le 6. Donc, et maintenant, c'est la deuxième lettre pour ça, qui est une course de 1200 mètres avec 10 portants. Le 1, Oswago, le 2, Captain Persia, le 3, Della Vista, le 4, Double Duet, le 5, Drake's Fury, le 6, Global Ally, le 7, I Want It All, le 8, Moonite Bay, le 9, Service Ace et le 10, Service Island. Comment vous ouvrez l'écran, la sélection de l'unitis, c'est le 10, le 7, le 2 et le 3. La guette ensemble ou sélection unitis, je commence par le 10, Sunday Island qui est piloté par Grant Vanier Cook. Oui, Van Essen, une course vraiment très ouverte, avec beaucoup de unknown factors de cette course-là. Il y a beaucoup de nouvelles unités, hein, notamment le 2, le 3, le 4, le 6, le 7, le 8 et le 9. 5 nouvelles, 6 nouvelles unités. Vous pensez, même aussi qu'il a un petit peu plus d'expérience, probablement, pour capable faire l'affaire ici. Vous pouvez mettre en premier, oui, vous pouvez aller. Le numéro 10 de cette course-là, Sunday Island, un jeune poulain australien de l'entraînement André Nel, qui prenait Van Niekerk sur le dos. Tout comme on a remarqué, Van Meyden, tout permet 60 kilos dans cette course-là. Et avec sa première ligne, vous pensez qu'il pouvait avoir un bon positionnement hein, tout au long du parcours, une course de 1200 mètres. Et nous remarquons que sa course est là, finit à la côte de course jusqu'ici. Il s'est débuté le 22 mai dernier. Il s'est terminé 7e, il y a seulement 3 longueurs de Never Ending Rain. Par la suite, il est venu le 10 juillet dernier. Une course assez correcte, plus ou moins correcte. Par la suite, nous remarquons ce entraîné a donné un bon petit break. Et puis, il est en récupéré. Et sa course est là, ce Sunday Island. Il laisse bonne impression à l'entraînement, il paraît qu'il bien progressé. Et vous pensez avec sa quatrième, avec sa première ligne là, il y a une chance de premier round d'après moi. Il y a une course prometteur, il y a certain potentiel, il est capable de débuter victorieusement. Bon, définitivement, nous dire le lot n'est pas terrible. Hein. Et en deuxième position, nous sommes le numéro 7, I Want It All, qui est piloté par Richard Fury. Oui, nouvelle unité. Justin Sniff, d'ailleurs, il engage 4 portants, 4 nouvelles unités, 4 portants, notamment ce 7 avec qui finit alloué à Richard Fury. Richard Fury nous rappelle, c'est le jockey titulaire de l'entraînement. Justin Sniff, mon pensée, c'est lui qui finit opté pour ce numéro 7, I Want It All. C'est un jeune très prometteur, un coursier par Silvano et Song of Happiness. Et comment on dit, il finit bien préparé. Il y a beaucoup de bruit favorable sur ce I Want It All. Et d'après mon expérience Sud-Afrique, il n'est pas pour étonnant qu'il nous trouve ça que c'est là, frappe fort d'entrée. Moi, je me mettais à deuxième place, me pensais capable, l'environnement, entre autres, vu que ce sera sa première sortie. Mais mon pensée, moi, sur la valeur intrinsèque, sur I Want It All, il y a largement les moyens pour dominer le pari. D'accord, et en troisième position, une chance de numéro 2, Captain Persia, qui est piloté par Robert Cathy. Oui, il y a aussi une nouvelle unité, un poulain de 3 ans pour Captain of All. Et c'est un demi-frère du Freetime Winner actuellement, Sultana. Bien né, ce Captain of Persia, il prend une 10e ligne à surmonter. Robert Carty, lui aussi, il y a énormément de moyens pour capable début de faire d'entrée. D'accord. Et finalement, une chance de numéro 3. Della Vista qui est pété par Esmanga Kumal.
Oui, dès la vista de l'entraînement de Justin Smith. Et il finit une course jusqu'ici, c'était le 24 juillet dernier. Il était bien bien ça, les courses-là. Pas si mauvaise que ça. Il prend un petit peu de temps pour enclencher. Et il finit progresser par la suite avec une course dans les jambes. Une bonne quatrième ligne, Spangakou Malo sur le dos, un produit de Pomodoro. Vous pensez, oui, ce Daily Vista, il n'a pas de moyens pour bien faire. Et il nous a fait ressortir que ce Daily Vista, c'est un coursier qui a comme propriétaire Chemingor, l'entraîneur Ricky Mengor. Et d'ailleurs, il fait pote ce Kazakh lors de cette course. Et oui, un coursier qui, vous pensez, d'ici quelques mois, ne va pas retourner au Champ de Mars. Hein. Moi, vous pensez, ce Daily Vista, c'est un bon petit coursier. Avec Spangakou Malo, il est capable d'ouvrir son compteur. D'accord, avant d'arriver de la troisième course, nous revenons aux sélections litiges, le 10, le 7, le 2 et le 3. Maintenant, c'est la troisième course, ça, qui est une course de 1200 mètres avec 7 portants. Là-dedans, nous prenons le 1 Chelsea River, le 2 Call It Fate, le 3 Taste Maker, le 4 Blue Eyed Girl, le 5 Fleeting, le 6 Isle of Winds et le 7 Parisian Girl. Dans les courses, on a le 2, le 1, le 5 et le 7 que nous trouvons à l'écran. Nous commençons par le numéro 2, Call It Fate, qui est petit pour Smangakumalo. Oui, Vanessa, avant nous comptions analyse, nous rappelle, c'est un maiden réservé à ma pouliche et jument dans cette course-là. Vous pensez, dans ce numéro, le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 5, vous pensez, les trois se tiennent de très près. D'après moi, la victoire devrait se jouer entre ces trois, entre ces trois pouliches. Et vous finissez un léger avantage au numéro 2, Call It Fate. Pour un outsider de cette course-là, de l'entraînement Justin Smith. Justin Smith, quand même, il a trois portants en cours de cette course-là. Et avec un rating de 76, c'est le highest rated horse de la course. C'est une pouliche qui débute sur une bonne note. C'était le 6 mars dernier. Il termine 6e à seulement 2,8 longueur de Bye Bye Bombshell, qui est bon coursier, qui finit confirmé par la suite. Et après cela, le 12 mai dernier, il est revenu, il y a échoué de très près. Avec la victoire de Warm Welcome, qui est une favori de cette course-là. Et nous remarquons que lors de sa dernière sortie avec Robert Carty, il y a une petite déception. Grand favori battu, tu étais à 2 contre 1, ça se joue là. Son entraîneur, Pina Coady, a un bon petit break, pratiquement 12 semaines de break. Il est revenu dans ma meilleure disposition. Il affiche une belle forme, une forme améliorée, un produit de Master of My Fate. Vous pensez sur la valeur intrinsèque qui est capable. Prend le dessus sur ce numéro 1, Chelsea River d'ailleurs, ce Chelsea River, le numéro 1 qui m'a fait mettre lui à la deuxième place, très régulière de ce man performance, un produit de Kerari. Il est très bien placé tout au long du parcours avec sa bonne deuxième ligne. Vous pensez, oui, sur sa forme actuelle, c'est un comment on dit, un strong contender de cette course-là. Et en troisième position, une chance de numéro 5, Fleeting, qui est piloté par Luyolo Moxtois. Mais il s'est montré 26 encourageant lors de ses débuts le 31 juillet dernier. Il termine troisième, certes, mais à 8 longueurs de Seeking Peace. Seeking Peace qui est un excellent compétiteur. Et Salé Koussaf, il fait beaucoup de bien. Il est revenu 2 semaines après ses débuts. Salé Koussaf, vraiment, il permet de sa course là, gagner en condition, bien travailler à l'entraînement. Beaucoup de bruit favorable sur ce fleeting de l'entraînement Brad Crawford. Le Yo-Yo Moxetoi en selle, vous pensez, il est capable d'atteindre ce qu'il lui-même y a le devant de sa course. Il y a une certaine vitesse initiale, ce fleeting. Et finalement, en quatrième position, on nous en a numéro 7, Parisian Girl, qui est pété par Liam Tarantal. Ah oui, ce Parisian Girl de l'entraînement Candice Bass Robinson. L'épreuve 7e ligne a surmonté. Certes, mais moi, vous pensez, c'est une pouliche qui nous pourrons entendre parler d'elle à l'avenir, peut-être pas pour cette fois-ci, mais lors de sa prochaine échéance. Les filles gagnent un break de 2 mois et demi par rapport à sa dernière tentative. L'entraîneur avait pris tout seul les temps avec lui. C'est un produit de Jackson. Hein. C'est un excellent finisseur. Vous pensez, il est capable pour viser sa run-là, mais nous carrément oublié dans les 4 premiers, pas de souci. Avant de guetter sa quatrième course en été, je nous révèle nos sélections. Alors, on choisit le 2, le 1, le 5 et le 7. On guette maintenant la quatrième course, qui est une course de 1600 mètres avec 7 portants. Le 1, Monster Striker. Le 2, Future is Bright. Le 3, Amel. Le 4, Green Tiger. Le 5,
Chestnut Cove, le 6 Stolen Thunder et le 7 Warman. Alors pour aller pour ça, aux sélections, c'est le 2, le 1, le 6 et le 3, comment vous pouvez trouver l'écran. Tout d'abord, on get ou sélection win, le 2, The Future is Bright, qui est piloté par Richard Fury. Oui, nous rappelle, c'est une course réservée à man 3 ans, man maiden de 3 ans, vraiment très très difficile Vanessen, à trouver le gagnant de ce genre de course. Là, il y a beaucoup de non-facteurs, il y a beaucoup de coursiers aussi qui tout doucement peut retrouvent cette meilleure forme. Dans le désordre, oui, il faut mettre le 2, le 1, le 6 et le 3, le 2, The Future is Bright. Un parmi les trois représentants de Justin Smith de cette course-là, Richard Fury vient opter pour The Future's Bright et un rating de 78, ensemble avec le numéro 1 Master Striker, c'est les deux highest rated horses de cette épreuve. Un produit de Futura, c'est The Future's Bright, il sera à sa quatrième tentative ici, un poulain, 3 ans. Et Fingalop 3 fois, 2 fois sur 1200 et 1 fois sur 1400 mètres. Vous pensez l'allongement de la distance, vu qu'il est au-dessus de 1400, il peut monter sur 1600 mètres. Vous pensez plaide en sa faveur. Et ça, c'est un jeune qui finit progresser avec 3 courses dans les jambes. Il peut terminer très fort. Il peut un excellent finish sur The Future's Bright. Vous pensez là, Richard Fury probablement finit choisir le bon cheval. D'accord. Et en deuxième position, on choisit le 1, Master Striker, qui est piloté par Grant Van Niekerk. Oui, c'est un jeune poulain bien estimé par son entourage. Disney Sniff, il a opté pour Grant Van Niekerk pour pilote-li. C'est un coursier qui m'a pensé, m'a pas pu tarder pour briser la glace. Comment on dit, c'est un produit de Master of My Fate. Les films travaillent en gros progrès à l'heure des galops. Vous pensez entre le 1 et le 2, la victoire capable de jouer entre sa deux coursiers de Justin Sniff. D'accord, en troisième position, on choisit le numéro 6, Stolen Thunder, qui est piloté par Greg Shane. Oui, un coursier entraîné par Brett Crawford. Stolen Thunder sera sa deuxième tentative ici. C'est un jeune poulain qui a débuté le 28 juillet dernier. Il y a été joué d'ailleurs. Il laisse une belle impression, notamment de ce Man Boy Trial. Il s'est mis 6e à 4.4 longueurs du vainqueur. Une petite déception. Mais ça, découvre ça, il fait beaucoup de bien. Il finit démontrer ma qualité. Par rapport à sa progression qu'il fait à sa première course, vous pensez là, c'est un winning chance ici, Stolen Thunder. D'accord, et finalement, en troisième position, une sensation numéro 3, Amel, qui est piloté par SDL. Oui, troisième représentant de Justin Sniff de cette course-là. Et c'est un poulain, lui aussi, un projet de Kerari par Pimpi. Kerari et Pimpinella sera sa troisième course. Du fil galop, 3 courses jusqu'ici, ce sera sa quatrième tentative. Après sa première sortie, son entraîneur finit à accorder un bon petit break. Les fins de Révini, il galope 2 courses par la suite. Il est beaucoup plus fit. Peut-être pas pour la victoire, mais vous pensez, il vous galope en progrès, donc pas retrouver lui pour les places. D'accord, nous revenons là aux sélections d'été, je prends un quatrième des courses. Le 2, le 1, le 6 et le 3. Donc maintenant, sa cinquième course, qui est une course de 2400 mètres avec 7 portants. Le 1, Warrior Bling. Le 2, Rosalie Runs. Le 3, Meliora, le 4 est Goodyear, le 5 Strike Speed, le 6 Universe Boss et le 7 Fly Over. Alors pour aller les courses en étiche, on s'en sera le 2, le 7, le 3 et le 6. Oui, Van Essen, c'est une course mérite rating 80, une course open. Il y en a quelques bons coursiers dans cette course, vous pensez. Là, c'est une course vraiment tough, beaucoup de coursiers tiennent de très près. Oui, Mofin met le numéro 2, Rosalie Runs, à la première place. Une jument de 6 ans qui sera à sa 21e sortie jusqu'ici. Et une jument qui est bien performante. Et l'hippopote, les blinkers pour la première fois aujourd'hui sur Rosalie Runs. Elle finit quand même 3 victoires jusqu'ici. Hein. Sa dernière victoire remonte au 29 janvier. De cette année, c'était sur 1950 mètres. Vous pensez, la distance 2400 mètres plaide en sa faveur. C'était un jument qui finit bien faire le man distance allongée.
en net regain de forme. S'est galopé le 23 janvier dernier, il termine deuxième. Par la suite, son entraîneur finit accordé une longue break de 4 mois et demi. Elle est revenue le 5 juin. Type bien visé à la course, elle termine à 3,7 longueur de Musical Glitch. Et par la suite, lors de sa sortie suivante, le 10 juillet dernier, il termine 7e, certes, mais à seulement 2,8 longueur de Apache Dream. Et là, cette fois-ci, il affronte, comme on le dit, le plus à sa convenance, et baisse les catégories par rapport à sa dernière sortie. Et prenait une bonne deuxième ligne. Il est assez maniable sa course. Il a déclaré le poste du pas au Vigne de Laurier. Vous pensez que ça peut donner jamais ligne, soit la position tête et corde ou juste derrière l'éventuel meneur. C'est sa forme actuelle. Vous pensez, c'est probablement elle, le cheval à battre ici. La jument à battre, de toute façon. D'accord, et Nitish pour la deuxième place, où nous choisir le numéro 7, Flyover, qui est piloté par Greg Bantam. Oui, il y a un rating de 68, c'est le bottom weight de la course. La classe d'un Warrior Bling ou même Rosalie Runs. Mais avec sa première ligne au départ et ses 52 kg, 52,5 kg seulement sur le dos, vous pensez, oui, sa course est là, il a une bonne chance ici. La dernière fois, il brise son bédaine. Après 14 tentatives, il gagne une très belle course sur 1950 mètres pour plus de 3,2 longueur et Chasing Maverick. Il finit de maintenir sa très belle forme du moment. D'ailleurs, son entraîneur finit de décider de pour aligner une semaine seulement après sa dernière victoire. Il fait profiter de sa bonne forme. Moi, je pense qu'il est capable de tenter un coup tactique ici, ce flyover. C'est un très bon outsider ici. Et pour la troisième place, nous sommes à numéro 3, Meliora, qui est piloté par Richard Fury. Oui, ce Meliora a un rating de 76. Il prenait l'excellent Richard Fury sur le dos. Et la dernière fois, il réalise une superbe performance. Descend les courses, mérite rating 76. C'était sur 1950 mètres. Il termine très fort pour échouer à seulement 1,75 longueur. Un coursier qui s'appelle Alinga Longa, un coursier aussi très compétiteur. Et ce Meliora, c'est le plus expérimenté de la course. Un coursier de 7 ans, qui a 4 victoires en 43 sorties. Lui aussi peut donner un signe de progrès d'ailleurs sur des courses, une course référence. Il est revenu 2 semaines seulement avant sa dernière sortie avec l'excellent Richard Fourie sur les deux mots pensés. C'est un course à craindre dans les derniers 200 mètres de la course. Et finalement, pour la quatrième place, nous sommes au numéro 6, Universe Boss, qui est piloté par Luyolo Moxtoir. Oui, ce numéro 6, Universe Boss, c'est un coursier qui appartient à Abhishek Gajador. Propriétaire mauricien, il a un rating de 71, ce Universe Boss. La dernière fois, il était un des man favoris battu, il a galopé pour la première fois de sa carrière, une course à handicap, c'était une course à handicap 76. Et avant cela, il brise son méden lors de sa 8e sortie, il gagne les courses sur 1800 mètres. Vous pensez que ça pousse, là, il finit de progresser davantage par rapport à sa dernière tentative. Et là, certes, il y a quelques bons coursiers ici. Peut-être pas pour la victoire, mais pensez que c'est un bon each-way chance ici sur Universe Boss. D'accord, nous revenons aux sélections d'équipe avant la sixième course. Nous sommes le 2, le 7, le 3 et le 6, comment on va trouver l'écran. Donc maintenant, c'est la sixième course, qui est une course de 1000 mètres avec 6 portants. Le 1, No Laying Up. Le 2, World's Your Oyster. Le 3, Elusive Trader. Le 4, Skido. Le 5, Spring Awakening. Et le 6, Faithful. Allô, Nitish, pour les courses ou sélection qu'on va trouver à l'écran, c'est le 2, le 3, le 4 et le 5. Nitish, on a une petite vidéo, tu en veux montrer nous pour aller Oui, courses, n'est-ce c'est pas? l'épreuve principale de cette journée à Kenilworth, une course, le Racing Association Pinnacle Stakes Open to All Horses. Il y en a 3 chevaux avec un rating de 100 à monter dans cette course-là. Justement, vous finissez de mettre World's Your Oyster à la première place. Vous pensez c'est le cheval à battre ici. Et oui, malgré la dernière sortie de World's Your Oyster. Auteur d'une superbe victoire sur 1200 mètres avec Craig Sheen sur le dos. We're set to race 1200 meters. Gates are back.
Off and racing, his choice, just a little slow to stride, is tucking in behind them, nothing too serious, there's no pace on early on, and World's Your Oyster finds himself in front. Irish Morning handy over towards the inside of that, and Fabian tracks the speed. They followed by his choice, who's just two lengths off them. On his outside, Elusive Trader, and Mr. Vargas is content to bide his time at the back of the field, and he'd be about six lengths off this leader. It's World's Your Oyster who hastens it up just a little, tracked all the while by Irish Morning in the gold sleeves, who races back in second. Fabian the pink sleeves races in behind those in third, they being followed by his choice. Outside of that one, Elusive Trader, Mr. Vargas still sees them all as they have 500 meters left to race. World's Your Oyster is still out in front. Irish Morning close to that one. Fabian in the center of the course is creeping a little closer. Elusive Trader races in behind that. His choice is still five or six lengths off them, and Mr. Vargas has it all to do. They race down to the final 250, and World's Your Oyster is finding extra in front. He's chased all the while by Irish Morning. These two have got away clear, but World's Your Oyster is in a galloping mood. He's not for catching this afternoon. He just keeps rolling in front, and they chasing shadows. World's Your Oyster makes all and wins well. Irish Morning on the inside. Allô, Nitish. Oui, une superbe performance de ce World's Your Oyster. Et nous devons rappeler que sa course là fait une galopante course listed, man les courses groupe 2. Il fait de gagner 5 ans, il produit par Ariel Well. Il fait une galop 15 courses jusqu'ici pour 6 victoires. Et vous pensez, il n'est pas arrêté en si bon chemin. Hein. Et il faut faire ressortir que par rapport à sa dernière victoire, là, le film prend en cause 6 points sur l'échelle de valeur. Ce rating, le film passe actuellement à 103 et c'est un rating de 97 avant sa dernière course. Là. Et de trouver un coursier très facile, rapide au départ, il est capable de suivre proche du pas. Et il y a aussi une deuxième accélération que nous remarquons. Il y a un excellent compétiteur. Et là, avec sa première ligne, et vous pensez, il est plus tranquille aux avant-postes. Les courses que sur 1000 mètres, ça tient 1200, les vignes de 1000 mètres, il reste sur deux victoires consécutives. Et vous pensez, pour moi, c'est le cheval à battre ici. D'accord, en deuxième position, une chance de numéro 3, Elusive Trader qui est piloté par Richard Fury. Oui, Elusive Trader finit à battre deux fois. Lors de ces trois dernières sorties par Wells, Your Oyster, là, toujours. Et vous pensez, c'est un demand challenger de Wells, Your Oyster, malgré qu'il ait fait une gabarité deux fois avec lui. Il est pour une deuxième ligne. Il y a quatre victoires en 35 sorties. Il affiche une belle forme actuellement. Il est sorti dans les courses Merit Rating 105 pour venir actuellement dans le Pinnacle Stakes, Open to All Horses. Les prenant l'excellent Richard Fury sur le dos. Il y a un excellent finisseur, vous pensez, c'est un demand challenger de World Your Oyster. À troisième place, on met le numéro 4, Skido, qui est piloté par Luyolo Moxta. Oui, Skido, c'est un jeune prometteur de l'entraînement Paul Reeves. Ce Skido, un 6 ans qui compte 6 victoires en 36 tentatives. Il reste, la dernière fois, il échoue de très près, il frôle la victoire. Il termine deuxième à 0,4 longueur seulement de Mr. Cobbs, qui est un des man favoris de cette course-là. L'avant-dernière sortie, il termine troisième à moins de 2 longueurs de Barney McGrew. C'est un coursier de Paul Water Winter qui est en pleine possession de ses moyens actuellement. Il n'a que 54 kilos sur le 2e, 6e ligne. Attention, surprise ici. Et finalement, pour la 4e place, nous choisir le numéro 5. Spring Awakening, qui est piloté par Grand Manier Kirk. Oui, il y a un rating de 91 de l'entraînement André Nel, il prend un peu 54 kilos sur le dos. Il peut revenir de sa course là avec de très bonnes dispositions. Il fait un petit break de 2 semaines. Nous remarquer sur l'entraîneur, il fait une target quelque part sa course là pour lui. Il peut sortir d'un mérite rating 90, il peut venir dans une course assez huppée. Celle-ci, sa dernière victoire, c'était un benchmark 82, mérite rating 82, il gagnait sur le kilomètre. Et vous pensez, c'est un jeune de Kerari qui peut continuer monter en valeur. Et peut-être pas pour cette fois-ci, mais vous pensez, nous retrouvons lui très bientôt. Côte, vous pensez, il vous fait très bien. Peut-être pas pour la victoire aujourd'hui, mais dans les 4 premiers, hein, c'est largement dans le domaine du possible pour ce Spring Awakening. D'accord, nous révélons nos sélections des tiches. Le 2, le 3, le 4 et le 5.
Arrive maintenant sa septième les courses, cinquième les courses de 1200 mètres avec 7 portants. Le 1, Gimme That, le 2, Homely Girl, le 3, Quintals Light, le 4, Osu Squishy, le 5, Fonsonnette, le 6, Louise Diamond et le 7, Warm Welcome. Nous guettons ensemble ou sélection pour les courses en litige, le 1, le 2, le 3 et le 5. Alors pour le numéro 1, Gimme That, une petite vidéo que tu as envie de montrer une espagnol. Oh oui, tu t'as fait d'ailleurs ces mots de choix de sa course là. Une jeune pouliche de 3 ans pour Green Light, invaincue depuis ses débuts le 6 février, justement, dans la dernière victoire de Gimme That, avec grande Ready Vanier now. Kirk qui s'ajoute là sur son dos. Kites are back, off and racing. Gimme Dat is just tucking in behind runners towards the inside. Super Siri came away well. She's pacing it out with the leaders. Live My Life is in touch with them too. Just in behind that, Winter Mosaic tracks the early speed. Impressive Queen is in behind that one. And Gimme Dat is content to bide her time at the back of the field, but there's no more than three or four lengths first to last as they race down towards the 800-meter mark. It's Super Siri over towards the inside, just the leader. Live My Life closest to her, the green cap up the outside. In behind them, Winter Mosaic is poised to strike. Behind that, Impressive Queen. And Gimme Dat still sees them all, but she's starting to tighten up now as they come down to the final 500 meters. Super Siri, Live My Life, they still go the quickest. Impressive Queen in behind that. Winter Mosaic still poised to have a crack at them, now being asked to get out after them. They followed then by Gimme Dat, who's now starting to make rapid progress from the back of the field. They race down towards the final 300 meters. Over towards the inside, Super Siri, Gimme Dat, Impressive Winter Mosaic between runners. It's Winter Mosaic and Gimme Dat. These are the two now left to fight it out, but Gimme Dat, full of running over towards the inside, is too strong from last to first, and she's gone away to win it in style. Winter Mosaic. Alors, on était une nouvelle, la super remontée de ce cheval-là. Oui, et vous pensez, avec Spanga Kumalo, c'est un coursier qui vous entendez très bien. Spanga Kumalo, nous connaît, c'est un redoutable cavalier, notamment le grand finisseur. Et là, nous trouvons l'accélération foudroyante sollicitée par Grand Van Niekerk, qui domine facilement ce man adversaire. Et pour rappel, c'était le Kenilworth Phillies Nursery, une des courses de groupe 3 qu'il a gagné. Ça joue là et les filles trouvent ce rating grimper. D'ailleurs, ce rating finit directement à 98 suite à sa victoire là. Alors, là, nous trouver ce Gimme That, le seul hic, c'est que l'Hyper-Révignies, après sa course du 27 février dernier, l'Hyper-Révignies, après presque 6 mois d'absence, ne m'a pas pensé ça capable. Pose les problèmes, c'est un coussin de classe. Sur sa fraîcheur physique, vous pensez, ce Gimme That, une nouvelle fois, vous pensez, retrouver le Winners' Enclosure. Vous pensez, moi, il y en a deux adversaires de taille dans cette course-là. Vous n'êtes pas trop confiant aussi dans ce numéro 2, Homely Girl, et le numéro 3, Quintas Light. À l'arrivée, nous remarquons que parmi les quatre représentants de Justin Sniff, les trois premiers, vous pensez, à détenir man top chances, notamment ce Homely Girl. C'est un pouliche par Kerari qui compte 2 victoires et 2 deuxièmes places en 5 sorties ici pour une 4e place. Toujours présent à l'arrivée, très régulier de ce man performance. Et pendant l'excellent Craig Zarqué sur le 2, il affiche la grande forme actuellement. Elle aussi, vous pensez, c'est une pouliche redoutable qui nous peut encore entendre parler d'elle. Et on a aussi ce Quintus Light, qui est le choix de Richard Fourie, sorti du premier couloir. Lui aussi peut revenir après un bon petit break de 9 semaines. Il compte 1 victoire et 3 fois deuxième. Et la dernière fois, il galopait une course listed, le Perfect Promise Sprint, une course listed. Il échoue de très près, il frôle la victoire face à Mercury Rising, qui est une jeune très, très, très prometteuse. Donc, vous pensez, moi, ce Quintus Light. Et Homely Girl, vous pensez, mon challenger principal de ce Gimme That. Et à la 4e place, me fait une place le numéro 5, Chansonnette, avec Grant Van Niekerk, qui, vous pensez, est capable d'accrocher à une place de la bonne combinaison. Les plus difficiles pour ce pouliche par Vercingétorix, Vin domine les Gimme That, Quintus Light, vous pensez, une place à sa portée reste dans le domaine du possible.
D'accord, nous revenons aux sélections des tiges. Le 1, le 2, le 3 et le 5, comme on va trouver à l'écran. Donc, maintenant, c'est la dernière course à l'étiche. Une course de 1600 mètres avec 7 portants. Le 1, Springs in the Air. Le 2, Black Silver. Le 3, River Café. Le 4, Do Angels Cry. Le 5, Go Lightly. Le 6, Grey Princess. Et le 7, Enchanted Creek. Nous guettons ensemble aux sélections pour les courses à l'étiche. Comme on va trouver à l'écran, c'est le 6, le 4, le 3 et le 2. Et pour le 6, Grey Princess qui est piloté par Oswald Notch, on a une petite vidéo qu'on va vous montrer. Oui, c'est pour moi c'est l'outsider de la journée, Oswald Le Grey Princess. Oui, c'est faire référence à sa dernière sortie, Cotlici, sa troisième victoire de sa carrière, c'est un jument de 6 ans, toujours avec Oswald Le Cotlici domine Daughter of Zeus par plus de deux longueurs dans les courses, les dernières courses de Grey Princess. All set. 1600 meters. Gates are back. Often racing, not a bad beginning. Glitter in the air, a little slow to stride, been ridden along to hold her position early on. Cape to Rio responded quick as the vaughan, and she's gone up to look for the early lead. Grey Princess keeps her company on the far side. Then Glitter in the air, despite that slow start, has gone through the field and races now in third, beautifully placed back at the fence, followed on the outside by River Cafe. That one is just three lengths off, then passed now by Daughter of Zeus, is on the move around runners. She's caught out wide, and she's decided her best option is to get around them all and go up and look for the lead. Granny's Moon settles in about four lengths off the speed. Enchanted Creek, the red cap, races further back just behind that one. They being followed then by Crimson Princess, who'd be about seven lengths off the lead. Perfect Storm races further back behind that. Miss Smarty Pants is back one from last. And Regina Isabella is the back marker, and she'd be a dozen lengths off this leader through the 800-meter mark. So Daughter of Zeus around them all has the lead, and she's in front now, leaded by two. Cape Tirio back at the fence is racing up in second. They followed by Grey Princess and Ekaway on the outside, races third, but caught three deep on the turn. Glitz in the air is back at the fence and will corner four lengths off the leader. River Cafe races in behind that one. Granny's Moon is back at the fence, will corner five lengths off them as they straighten up for head for home, and they have 400 meters left to go. Daughter of Zeus quickly challenged by Cape to Rio in the center of the course. Deeper out, Grey Princess is there. Granny's Moon is trying to get into it. River Cafe starts to kick on nicely. Crimson Princess has also got running in her. There are plenty of chances. Grey Princess and narrow leaders, they come to the final 100. Daughter of Zeus is back towards the inside. Grey Princess is hanging tough though, and she's in front and not for catching. Grey Princess goes on to win from Daughter of Zeus. Behind that one on the inside, Crimson Princess. Alors, on était justement qualifié sur la superbe ligne droite de Grey Princess. Oui, vous faites bien d'y aller, une superbe ligne droite de ce Grey Princess. Et nous vous avez fait ressortir les tiganes un dixième couloir, les tiganes les courses assez difficiles, hein, les suivants one-off à l'extérieur. Et l'accélération foudroyante dans les droites finales, c'était fantastique. Et c'était dans les courses Merit Rating 76. Et cette fois-ci, il fait monter en valeur. Il fait venir dans les courses Merit Rating 85. Il affronte un chevaux plus coriace cette fois-ci. Hein. Et vous pensez là, avec seulement 52 kilos sur le dos et une bonne quatrième ligne, vous pensez il pouvait gagner les courses un peu plus facile que lors de sa dernière tentative. Et je pensais avec sa quatrième ligne, Oswald Lenoch, pourquoi pas, vous redonne un bon positionnement pour ce Grey Princess. Et il donne l'impression que sa course est là, sa jument-là, finit de progresser davantage par rapport à sa dernière sortie. Son entraîneur finit d'accorder un bon petit break, il peut revenir un mois et demi après sa dernière tentative. Et avant cela, il ne faut pas oublier que il s'y termine troisième, mais à une encolure de twice the quality lors de son avant-dernière tentative. Et l'IP retourne, enfin, l'IP est toujours sur 1600 mètres, parce qu'avant des sorties, il y a besoin de 1800 mètres. Vous pensez, les 1600 mètres idéales pour ce Grey Princess, il paraît de sa distance de prédilection, si elle n'est pas favorite de sa course-là. Mais pour moi, c'est l'outsider de la journée, surtout avec ses 52 kilos. Malgré le fait qu'il y monte de catégorie, vous pensez, la pouliche entraînée par Michael Robinson détenait une bonne chance de vaincre ici. Vous pensez, ça course est là, oui, il est présent à l'arrivée. Et en deuxième position, on met le numéro 4 du Angels Cry qui est piloté par Greg Shane.
Oui, notre compétitrice redoutable, hein, pour Captain Hall, une pouliche de 4 ans, et qui pousse aussi du troisième coup d'or. Et c'est une pouliche qui finit échoué de très près avec la victoire lors de son avant-dernière sortie, le 29 mai dernier. Il termine troisième à 0,5 longueur de River Café. Et par la suite, le 10 juillet dernier, il termine deuxième à 1,5 longueur de Rewrite the Stars. Il fait progresser davantage par rapport à sa deux dernières performances. Do Angels Cry avec sa troisième ligne, vous pensez c'est elle probablement qui pousse aux avant-postes ou suivant en deuxième position. Vous pensez l'époux figure à l'arrivée. Et en troisième position, le numéro 3, River Café, qui est petit pour Greg Zaki. Oui, River Café, le 29 mai dernier, il domine. Il domine ce Do Angels Cry, il termine troisième à 0,5 longueur de ce River Café. Et ce River Café avec sa première ligne cette fois-ci. Et vous pensez, il a une bonne chance de vaincre ici. Pour rappel, lors de son avant-dernière sortie, son entraîneur, il tenait en haute estime hein, pour l'entraîneur Warren Marshall, et Ali dans le River Gentle Stakes, une course listed. Sur 2400 mètres, c'est une termine quatrième et à 15 longueurs et quelques de Marina. Avant cela, il remporte une belle victoire sur 1600 mètres. Vous pensez, c'est 1600 mètres, la distance idéale pour River Café. Vous ne pouvez pas oublier que c'est un coursier qui finit impose leader, une course un mérite rating 80 lors de cette dernière victoire. Il paraît que ce coursier-là retrouve son meilleur niveau avec sa première ligne. Cette pouliche par Legislate, nous pensons qu'il y a une chance légitime de vaincre ici. Et finalement, il était en quatrième position. On lui met le numéro 2, Black Silver, qui est piloté par Richard Fury. Oui, c'est le second highest rated horse de la course avec un rating de 82. Un produit de Silvano, une pouliche de 4 ans qui réalise un excellent début de carrière l'année dernière. Il gagne sa première victoire le 2 décembre 2020 à Kenilworth sur 1600 mètres. Et par la suite, il enchaîne avec deux deuxièmes places. Il s'est entraîné chez Accordia un break de pratiquement 4 mois. Il est revenu la dernière fois, il termine 7e, mais à seulement 3,9 de River Café. Il possède un beau finish, ce Black Silver. Et là, il est revenu après encore une fois une longue absence de pratiquement 12 semaines. Sur sa fraîcheur physique, vous pensez, Black Silver. Il y a une bonne chance ici. Il entendit très bien avec Richard Fury. Richard Fury a déjà gagné avec lui. La dernière fois, il était par Robert Carty. Il n'est pas pour étonnement si ce Black Silver remporte sa course là. Comme on dit, une course très ouverte en perspective à Van Essen. Le 6, le 4, le 3, le 2, il est capable aussi lors d'arriver inversé. D'accord, on nous rappelle aux sélections. Le 6, le 4, le 3 et le 2, comment on peut trouver à l'écran. Voilà, les messieurs, et tout ça, ça me remercie vous pour votre analyse. Oui, Van Essen. Et avant de conclure, bien sûr, meilleure chance pour moi au courant de cette journée, dans la sixième course, le numéro 2, vous pensez, World's Your Oyster, d'après moi, le sixième course, numéro 2, pour moi, c'est ma meilleure chance de la journée, vous pensez, c'est un coursier redoutable de fin de trouvée. La seule course, pour moi, c'est sur la batte. Et comme outsider, bien content, ce Grey Princess, je pense que c'est un outsider valable et capable de causer une petite surprise ici. D'accord, on remercie aussi Christophe Hippolyte et Joshua Clark qui tirent la technique aujourd'hui. Pour demain, jeudi 19 août, nous pouvons une autre émission de Race Previews que j'appelle en Sud-Afrique, le Hippodrome de Val. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.